Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve dans une installation à la Georges Molnoy, comme je dis, pour vous faire le tirage donc, qui date sur le hall Nos et Actions, sur l'arrivage d'Aris, Pat Fimo et Patati et Patata. Je vous avais proposé en tirage des classeurs de gaufrage. Donc, c'est un petit sapinou, c'est pas grave, il vous servira pour l'année prochaine ou pour autre chose. Cette plaque-là, de tirage et cette grande plaque-là, flocon de la marque Daris. Les deux sont de Daris. Je suis obligée de m'installer comme ça parce que sur mon téléphone, je n'arrive pas à avoir d'application pour du tirage. Je sors donc j'étais obligée de vous mettre sur mon ordinateur. Et comme je ne sais pas, enfin bref, il faut que j'étudie des trucs, je n'ai pas le temps. En sachant que là, je vais faire deux tirages et aussi le tirage pour sur une de mes vidéos, carte avec le papier de riz. Je vous fais gagner à l'une d'entre vous le die sapin de chez Action. Donc, ça sera le deuxième tirage. Pour l'instant, c'est parti pour les plaques de gaufrage. J'ai rentré la vidéo, patati patata, comme ceci, voilà. Donc, c'est bien ça. Vous êtes 118 commentaires, j'ai enlevé les doublons. Et c'est parti, on appuie sur le petit plus là. Là, en fait, si on voulait, on pouvait rentrer, par exemple, je vous aurais demandé un nom de code. Par exemple, j'aurais dit caca. Vous avez tous marqué caca sur le commentaire. Ça aurait pris en compte que les commentaires qui auraient mis le mot caca. Enfin, ceci dit, je ne vous ai pas demandé ça. C'est seulement sur le nombre de commentaires. C'est parti. Première gagnante pour le sapinou. Françoise Corion. Je ne sais pas si tu vois bien ton nom. Je pense que oui, il y a même ton commentaire qui s'affiche. Il me semble, je ne suis pas sûre, non, je ne dois pas avoir tes coordonnées, mais si tu pouvais me les envoyer ou me les réenvoyer pour recevoir ton petit, ta petite plaque de gaufrage comme celle-ci. C'est parti pour le ou la deuxième gagnante. Pascal Montanari, la petite plaque flocon, si tu vois bien ton prénom et ton nom, si tu pouvais également m'envoyer ou me réenvoyer, parce que je ne sais plus si j'ai vos coordonnées sur ma boîte mail qui se trouve en barre de descriptif dans le petit plus, en sachant que j'enverrai ces petits cadeaux après les fêtes. J'ai un peu peur de la poste. Vous aurez ça courant janvier. On va maintenant procéder au tirage du Dice Sapin. Nous voilà sur la vidéo pour la gagnante ou le gagnant du die sapin. C'était sur ma carte pochoir et papier de riz qui me venait de la boutique Brico et Scrap. Je vous en ai fait une petite cartounette. C'est parti, nous allons procéder comme ceci, donc pas de code particulier, au tirage. La gagnante, c'est Daniel M. Si vous voyez bien apparaître ça à l'écran, voilà, me contacter via ma boîte mail. Daniel, tu recevras, comme je le disais dans cette vidéo, je l'ai déjà utilisé, mais je ne vais pas le temps de garder du matériel que je ne vais pas utiliser. Bravo aux trois gagnantes. Comme d'habitude, un petit mail qui va bien. Et ne vous inquiétez pas, ça partira. Je préfère pour ma part vous envoyer tout ça après les fêtes. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.